Bonsoir à tous. Merci à Patricia de m'avoir invitée. Ça va être la troisième fois que je fonctionne avec des petits papiers sur lesquels j'ai écrit le titre des poèmes où il y a deux chansons. C'est un peu celui qui vous parle. Vous demandez le texte qui se cache derrière. Ben, choisissez-le. On ne pourra peut-être pas tous les faire, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais voilà. J'avais préparé des papiers plus jolis, mais voilà, c'est pas grave, je les aime bien comme ça. Il y a la région Nouvelle-Aquitaine, mais parfois qui se mêle bien avec, en fait, le... Voilà, je vous laisse choisir, peut-être faire un peu au hasard. Voilà, enfin, au hasard ou selon ce qui vous parle, selon les mots qui peuvent vous parler. Allez, ben maintenant, à vous de jouer. Qui a envie pour commencer avec son texte? Je veux bien, Pauline. Ok. Gecko. Alors, je vais vous emmener au Congo. Ah. Donc, c'est un voyage que j'ai fait il y a 2 ans. J'étais revenue le 15 juin, donc je pense que là, on est... Et voilà, alors, je suis toujours partagée si on dit gecko, gecko, je crois qu'on peut dire les deux. Je veux dire gecko. Gecko, enfin, je sais pas. Si vous préférez l'un ou l'autre, gecko. C'est le nom d'une ville. Alors, c'est le nom d'un petit lézard. Ah, bon, lézard, voilà. D'un petit lézard. Milieu du voyage, et fatigue, bien sûr. De milieu de voyage, qui me rend plus sensible aussi à toute chose. Et bien que plus lointaine, je vois dans ma brume ce que je ne percevais pas. Certaines formes, certains goûts apparaissent. Je me souviens cet après-midi, dans l'appartement de nos hôtes, restés seuls, avoir vu la vie prisonnière dans le corps de la chienne, inquiète et cherchant l'attention, coincée sur sa terrasse tous les après-midi. Puis le tout petit gecko agrippé aux vêtements. Je voyais son souffle soulever sa poitrine minuscule et les fentes verticales de ses pupilles épiées, scrutées et chercher à vivre encore. Je voyais la vie prisonnière en lui chercher à prolonger son enveloppe mince. La survie des cellules au-delà de tout, malgré leur forme et cette prison. Sous les palmiers, moi aussi, en chemise blanche, épagne autour du cou, moi qui suis le temple de tous les objets, les souvenirs qui ont fait pour moi histoire, les ondes électriques de mes neurones, les mélanges chimiques, les courants de lumière qui font mes sentiments, qui font les personnes que j'aime, il n'y a que signaux, capteurs, réceptions, en mon monde incarné. Mon monde de vie incarné momentanément en femme. Aux perceptions, aux élans limités, comme le sont les élans de la chienne, se dressant au moindre pas, prisonnière de sa cage. Comme le gecko, je m'agrippe et me tends, je cherche mon empreinte, en ce monde d'incarnation éphémère. Les vraies rencontres et les fusions sont des moments éphémères. Peut-être que leurs empreintes se prolongent au-delà de la vie des cellules, de leur assemblement, et se transmettent en d'autres êtres. Peut-être, et pourquoi notre lutte a prolongé notre corps? J'ai bien vu la vie débordante, un instant prisonnière, en ce petit gecko. L'incarnation en femme est une belle incarnation. En femme libre que je suis, c'est une très belle incarnation. Et belles les sensations, les perceptions, les frayeurs, les attachements fous, les tristesses soudaines, les joies. Tout ce monde qui est aussi grand que chaque monde, qui disparaîtra avec moi et comme moi rejoindra la grande mère. Merci de l'avoir choisi. Café au lait. Café au lait.
Ah bah c'est bien, ça va être. Bah on reste au Congo. Hein. On reste au Congo. Étendue sur le lit, je me suis recouchée après le petit déjeuner. Mon bras sent la pâte d'arachide préparée par Georgette, étalée dans du pain. J'ai bu avec elle le café entier, lait concentré et sucre, qui fut le repos de mon âme. Hier aussi au grand marché, passant entre les étals, sous le ciel gris les couleurs vives prenaient des teintes de brume et de rêve, j'ai plongé dans le paradis d'un beignet à la banane. Ma sœur. Ah, une chanson. Alors, une chanson toute récente, j'espère que je ne vais pas rater, et qui est malheureusement une histoire vraie. Vous allez voir. Donc, ma sœur. Parce que c'est pas ma sœur. Sans le cul. Le soir tombe et dans ton pays, ça y est, la nuit s'en vient aussi. Le soir tombe et j'espère simplement ceci. Qu'en ce moment tu tiens ton bébé dans tes bras. Dans tes bras. Nos vies sont si différentes et c'est pendant des vacances que je t'ai rencontré. J'ai découvert ton quotidien, fille du Congo, Brazzaville, à pointe noire. Qui aurait cru que de nous deux, ce serait moi qui la première, ce serait moi l'aventurière qui donnerait la vie. Je me souviens de ce jour de lumière, joyau de mes souvenirs. Dans le bonheur, mon corps s'est ouvert, et soudain j'ai vu mon fils. Tout était calme et tout était clair, rien n'existait entre nos chairs, entre nos âmes qui se rencontraient. Après 9 mois de secret, hier, message de ta petite sœur, tu as souffert pendant des heures. On a sorti l'enfant par césarienne, tu perds du sang, y a un problème. Mais sans argent, pas de médicaments, on attend l'oncle qui va arriver. Quand il aura payé, tu pourras être soigné. Tu pourras être soigné. Le soir tombe dans ton pays, ça y est, la nuit s'en vient aussi. Les mots manquent et j'espère simplement ceci. Qu'en ce moment tu tiens ton bébé dans tes bras. Dans tes bras. Ma sœur. Ma sœur. C'est une amie qui est dans le recueil et voilà, bon, après son bébé, grâce à Dieu, voilà, il est finalement ça allait. Mais sur le coup, ça m'a beaucoup touchée. C'est vrai que c'était dans le suspense en fait, et je trouvais que c'était dingue quoi, qu'elle soit dans ce stress à ce moment-là. Donc merci. Ok.
bah merci, c'est l'autre chanson. À chaque fois elle sort, c'est drôle. Moi je suis ravie qu'elle sorte les chansons. C'est, la dernière fois il y avait 3 sur 5 têtes, c'était drôle. Alors, retour à Bordeaux. Je l'ai inventé à Bordeaux, mais je trouve que ça voyage quand même. C'était quoi les mots sur le papier? C'est la première phrase, vous allez le... Tu vas l'entendre tout de suite. Je marche dans la ville comme si je marchais près de la mer. Les phares des voitures pour moi forment les lumières tangentes des bateaux. Mon âme charrie des morceaux de passé, des morceaux de pensée qui flottent comme du bois mort. Encore le ciel, la nuit, sous les étoiles, la ville immense et endormie. Mes pas, ma voix, sous les étoiles, mon âme qui s'emplit, les gens autour de moi forment des vagues, les gens autour de moi, je divague, les gens autour de moi forment des vagues, les gens autour de moi, je divague, ma faim m'entraîne, mes jambes se traînent, le froid, je ne le sens plus, ma balade a lavé mon âme malade, les étoiles brillent, les étoiles brillent, les étoiles brillent, les étoiles brillent, les étoiles brillent. Bordeaux. Bon, je crois qu'on arrive à... Ouf, d'accord. Merci. On part à Hong Kong. Alors, c'est ma sœur qui habitait à Hong Kong et mes parents avaient prévu un voyage familial en Asie, Hong Kong, Cambodge, Laos. Sauf que un mois et demi avant de partir, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc, je suis quand même partie. Que je regrette pas, mais bon, du coup, c'était un voyage un peu spécial, un peu rude. Franchement, bon, visiter encore par 40 degrés, c'était bon. Mais avant, j'ai eu quelques jours à Hong Kong chez ma sœur et j'étais dans tous mes états. Surtout qu'en plus, je revenais du Congo. Donc, c'est bien, du coup, là, il y a un peu la synthèse de tout. Carambolage de rêves, moi qui porte déjà mon petit rêve en moi. Il y a les immeubles de Hong Kong, mes sœurs. Nous nous levons, nous déjeunons, nous visitons, allant de place en place et liés pour toujours. Il y a les poissons grillés du Congo que je mangeais avec les doigts, les bananes frites dans la nuit, sous la lumière des étals, et les odeurs. Cette nuit, pour le Congo, j'ai versé des larmes amères. En haut de ma tour, un torrent de larmes. Nuit lumineuse de Hong Kong, immense et proche du ciel. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où j'irai, où je retournerai, ni quand. Je tiens comme un fil l'écriture et mon amour pour Pierre. Je les tiens comme un fil dans les nuits du monde entier. Les sentiers que j'arpente, les projets que je brasse, et mes rêves qui se succèdent, me tenant réveillée en pleine nuit, de trop y tenir. Que Dieu me guide, que Dieu me vienne en aide. Je suis dans un bus et traverse des branches et des fenêtres par milliers, poussière parmi les poussières, vibrante parmi les vibrants. La vie me dépose et me ramène, de voyage en voyage.
heureusement depuis ça s'est un peu éclairci. Parce que vraiment en haut de cette tour là, c'était voilà, bah si encore un papier ou ça c'est on arrive au bout. Allez. Merci. Donc on sait bien, on reste vraiment dans la foulée, je pense que c'était le lendemain. J'avais beaucoup écrit du coup à Hong Kong. J'appuie mon épaule à la fraîcheur du poteau électrique, aux gouttes de pluie qui sont restées collées. Puis j'appuie la partie de mon dos entre les omoplates, mon cou. Les nouilles instantanées au curry bien brûlantes pèsent doucement sur mon estomac. Je suis seule à Hong Kong. Je suis seule avec mon bébé à Hong Kong. Toutes les 2 heures, je palpe mes seins pour vérifier que leur peau est tendue, que tu es toujours là. Les nouilles instantanées pèsent doucement sur mon estomac. Je me souviens dans le film « Sur la route de Madison » que j'ai vu dans l'avion, de cette phrase. Si j'ai pu faire ou dire une seule chose qui puisse te faire croire que ce que nous vivons ensemble n'est pas unique pour moi, je te présente mes excuses. Voilà, bon, le dernier. T'en avais pas choisi, Patricia ? Amour. Amour. Ok, bon, bah c'est parfait. On boucle la boucle au Congo. Amour. Dans la nuit enflammée des jours, les fleurs des yeux, les fleurs des dents, ouvertes par milliers, dans l'aura des artistes et le souffle qui parvient jusqu'à moi, dans les tresses zigzagantes sur les têtes des petites filles, l'arc des palmiers et les vallées entreaperçues, enchanteresses. J'ai laissé et reçu des morceaux de moi qui désassemblent et réassemblent le secret de mon identité. Je ne pensais pas laisser autant. Chaque matin, je reçois un manteau nouveau. Dans la métamorphose, mon amour, tu es là. Ma main connaît ta main toujours pareille. Mon front connaît ton épaule, chaude et faite pour moi. Mon âme connaît tes bras refermés sur mon corps et qui sont ma maison. Je viens vers toi sans me souvenir du passé, sans me souvenir des poèmes et des pensées. Je viens vers toi comme je viens vers le feu quand j'ai froid, comme je viens vers mon repas, comme je viens sous un toit. Je sais ta chaleur sûre, je sais ton amour sûr. Je sais ta bonté et ta compassion sûre. Merci. Voilà, volontairement aussi, ils ne sont pas imprimés pour aussi que vous puissiez les prendre, surtout celui en Asie. J'ai imprimé, voilà, y a, si vous voulez partir avec. Bon, eux, j'en ai plus que 3, mais si vous voulez le prendre, vous pouvez quand même le prendre. Et du coup, voilà, il n'y a pas de... Merci. Merci à vous. Merci. Et merci à Patricia. C'est un plaisir. Bah, bon, bon.